Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificator, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Outlast. Donc on se retrouve pour ce 7e épisode. Il y a un petit souci, c'est que y a le boucher pas loin là, et ça me rassure pas. Donc là je suis chaud de night, mais voilà quoi. Je pense que je vais vite déchanter. Je vais vite être démotivé parce que il est pas loin l'enfoiré. Ça tu peux en être sûr. Ouais, il est là. Ouais, vite, on passe par là, parce que la dernière fois, juste avant de vous quitter, vous avez vu qu'il a défoncé la porte au fond. Là, il va arriver par là, tu peux en être sûr. Il tape la porte juste ici. Il y a une porte juste ici, en plus, j'avais même pas vu. Oh putain. Oh, il m'a vu. Il m'a vu, j'aurais dû partir. Cours, cours, cours! Non, par là-bas. Vite, vite. Il est pas très content. Il est pas très content, hein. Par ici, par ici, par ici. J'avais pas vu ça. Oh, j'ai bien fait de regarder. Oh putain, l'enfoiré. C'est bon, je commence un petit peu à m'habituer à lui. Tout va bien. J'ai l'impression d'être de plus en plus rodé à l'horreur en fait. Enfin, je veux pas m'avancer trop vite, mais je suis un peu moins craintif. Mais je le reste quand même assez. Oula. Allez, toi, je te pousse. Oh putain, regardez où on est retombé. C'est vers le hall. Ok, on peut ouvrir ici. Il y a quoi ici? Ok. On a un dossier là, ça c'est cool. Il doit y avoir une pile par ici, quelque chose. Ok, la porte elle est bloquée ici. Ok. Ok, on va passer par là. Ok, en fait ça nous a ramené. Oh putain, il m'a fait peur lui. Oh. Oh putain, c'est le docteur qui parlait. J'ai reconnu sa voix, c'est bien lui, mes chers amis. Il a dit qu'il avait besoin d'aide, c'est parce qu'il était coincé dans l'ascenseur, mais en fait il est pas mort l'enfoiré. Il doit avoir des sbires qui ont dû le libérer en fait, il doit être en vie, vous verrez ce que je vous dis mes chers amis. C'est obligé. Donc là il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à la salle de détente. Alors est-ce que c'est la salle de cinéma où on est arrivé pour la première fois, dans le premier épisode? Ok, on a une échelle ici. Oula, j'aime pas quand elle fait ça la caméra. Ok, là on peut pas ouvrir. Ok, allez, on prend l'échelle. Allez, c'est parti. Wouh! C'est chaud. Ok, là on a un bord, on va le longer. Allez, on continue. Allez, tu peux le faire. Ok. Oula, ça c'est un piège. Exit. J'arrive ou j'ai entendu le boucher? J'ai entendu un bruit de chaîne là. Là 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 là. C'est quoi cet embrouille là? Oh putain, me dis pas qu'il va y avoir le boucher ici.
Parce que là, il y a le boucher ici, c'est la merde. Il n'y a pas de porte de sortie. What the fuck? C'est quoi cette connerie? D'accord, il faisait des expériences en fait. D'accord. Ben putain, dis donc, on en a appris des trucs là. On a même eu une note. Ok. Oh là là, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas trop. Il y a quelque chose dans les casiers, mes chers amis. Ouais. Je vais pas ouvrir les casiers, ça c'est mort. Hein. Je te le dis. Ok, là c'est fermé parce que sinon ça m'afficherait un truc. En fait, j'ai compris les portes que tu peux ouvrir, ça t'affiche X pour ouvrir. Si ça s'affiche pas, c'est que tu peux pas les ouvrir, quoi. On va passer par les escaliers, c'est notre seule voie d'accès. Même si je suis pas trop rassuré. Là, une porte juste en face. Allez, on y va. Merde. Elle s'ouvre de là, voilà. Tac. Ouais, on a une pile ici. Ça, c'est cool. On a une porte. Oh le con. Oh putain, du coup, je passe par où moi? Ouais, du coup, putain, merde. Attends, il y a un truc là. Il y a une clé là. Il y a une clé juste là. Oh le camp, putain, comment je fais? Oh là là, mais je passe par où moi? Ah, attends, il est descendu par là. Il a ouvert une porte ici, ok. Ok, on passe par le bord. C'est bon, j'ai capté. Parfait. Voilà, on va bien longer le bord. Grimpe par là, voilà. Parfait. Pas autre chose à ramasser juste avant de ramasser la clé là, parce que... Ouais, du coup maintenant ici c'est ouvert comme par hasard. Allez, on prend la clé. Retrouver le père Martin au niveau 3. Là, tu peux être sûr qu'on va tomber sur Chris Walker, ça c'est une certitude. Ça serait trop méchant de voir Chris Walker tomber sur le docteur fou. Il y aurait une baston entre eux là, ça serait trop méchant.
Ok. Je crois que cette clé à nous sert à ouvrir ici. Non, hein. Ça m'étonnerait. Il y a quelque chose dans les casiers. Cache-toi, cache-toi, c'est le boucher. J'espère qu'il va pas fouiller ce casier-là. Attends, 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 attends. Merde, vite, vite, vite. Oh! Par où je passe, vite, 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 vite. Par là? Oui, par là. Et vite, on monte à l'étage. Oh, on a réussi à lui échapper. Je crois que c'était le boucher. Oh putain, mais reviens ici, Père Martin. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il est con celui-là. À chaque fois, il m'esquive. L'ascenseur est opérationnel ici. Ok, on a une porte ici qu'on peut ouvrir. Là, c'est fermé. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur? Telle est la question. Ah, nécessite la clé comme par hasard. Ah là là, mon dieu. Ça ramène dans des cuisines? Ah ben voilà, on y est. Père Martin, c'est moi. C'est toi le Père Martin? Ah, mais c'est pas le Père Martin, putain. Je commence à souffrir là en fait. Ok. J'entends une sorte de piano, comme un piano d'église, c'est trop bizarre. C'est peut-être la musique du jeu. Ok, on a un accès par là. Oh, il fallait le voir ça. Oula. Ah ouais, trop bizarre. Ils font une prière, c'est trop bizarre. Prier, prier, tranquille. Oula, on peut passer par là, d'accord. Ok. Oula, attends. Oula, attends. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Je me sens mieux à l'extérieur, quoi. C'est un truc de fou. Ok. Ouh. Ça va, on avance, on avance. Oula. J'ai l'impression que le prêtre il m'amène dans son piège, je sais pas, il est bizarre le prêtre. Oula. C'est quoi ce jeu? J'aurais tout vu. Tranquille, vas-y. Oh mon dieu, c'est qui eux? C'est deux jumeaux. On dirait qu'ils vont me sacrifier là, non? Si je range là-dedans, ils vont me sacrifier les mecs. Hein. Aïe! Ils sont à poil! Oh les mecs, vous connaissez pas les caleçons ou je sais pas?
paire de chaussettes? Ah ouais, carrément quoi. Bon allez, on y va, hein, parce que bon. By Job, you alone shall escape the Talfa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ouah, quand ils sont en train de le cramer, vite, je prends la clé. C'est quoi, on va fermer la porte. Voilà, je vous laisse tranquille. Ok, faut vite que je redescende à l'ascenseur, c'est ça? Il est à l'ascenseur. Il est juste là, l'ascenseur, putain. Ouh, c'est vraiment l'horreur dans cet asile. Jamais je refoutrai les pieds dans cet asile. Oula. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il est contrôlé l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est arrêté puis il est redescendu. Normalement il devrait descendre d'affilée, non? Sans s'arrêter. Où c'est qu'on va là? Oula. On va où là? On est où là? C'est quoi cette connerie? Pourquoi on est descendu aussi profond? Je voulais pas descendre moi. Oula. Oui. Je voulais remonter justement pour sortir dehors quoi, me casser d'ici. What the fuck? C'est quoi cette connerie là? C'est un glacier ça, c'est quoi? Une sorte de grotte? C'est quoi ce logo là? C'est quoi ce délire? What the fuck? Oh putain. Murkoff Corporation, d'accord. Ce que j'avais vu, ce que j'avais lu, j'avais lu un genre de truc diplôme sur un mur. C'était marqué Murkoff Corporation, je m'en rappelle. D'accord, c'est carrément une sorte de labo en fait, secret. Et l'asile en fait, c'est juste une expérience, c'est juste... C'est la cerise sur le gâteau quoi. En gros, c'était pour cacher toutes leurs expériences en fait. Trop bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû mal tourner. Hein. Bah, y en a, ils se sont tous fait déchiqueter. Est-ce que c'est Chris Walker qui a fait ça? Ou est-ce que c'est autre chose? What the fuck? C'est quoi ce délire? On est où là? Vacant. Trop bizarre, hein. Ok. Ah ouais, il faisait des expériences ici en fait, des séquençages d'ADN ou des trucs comme ça. Ok. Ouais, des bouquins. Ouais, il y a une pile. Je la veux, je la prends, c'est volontiers. On va aller voir ce qu'il y a ici. C'est quoi ce délire? Dis-moi qu'il y a une porte de sortie par ici que je puisse me casser là. Oh, il y a une porte de sortie ici. Nah, ça c'est pute, ça c'est pour te dire tu peux sortir mais tu peux pas en fait. C'est trop bizarre. Moi je crois pas que ce soit aussi facile là. On va pas s'en sortir aussi facilement, je vous le dis. Il y a une échelle qui est cassée, qui donnait sur un accès là-haut. Ça me rassure pas là. Ça me rassure pas du tout. Qu'est-ce que c'est?
Ouh là là! Cours! Cours, Forrest! Là, je vais crever, là. Là, je le sens mal. Non! Vas-y, fais-toi tuer. Fais-toi tuer par l'ombre. Yeah! Yeah, il se fait tuer, je suis content. Wouh! Oh, il est en train de se faire éclater. Vite, il faut que je me casse, moi. Aïe! Oh, il s'est fait broyer. Oh, il est mort, je suis content. À dégager. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'aille par où, là? Oula! C'est qui, ça? Something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Trouver Billy dans le laboratoire principal. D'accord, apparemment c'est lui qui était à l'origine du projet, donc il m'a demandé de tuer Billy, ben on y va, hein, on va tuer Billy. Est-ce que c'est par ici qu'on trouve Billy? Billy, où te caches-tu? Tu vas voir qu'il va me défoncer Billy. Ok, ici je suis déjà venu. Ah, faut qu'il me grille à chaque fois. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Hop, oh. Pourquoi ce fantôme? Passer par là, ok. Il y a sûrement un truc à faire pour le battre là. Je sais pas si c'est lui, Billy, l'ombre là, machin. Ok, on a un dossier là. On va se fermer. Ouh, j'en peux plus. Là. Oula, attends. Je suis où là? Fermez la vanne de réservoir de fuite de maintien en vie. Elle est où ta vanne? Allez, on y va. On est motivé. Putain, c'est trop bizarre de se retrouver d'un coup dans une sorte de labo comme celui-ci. Ok. C'est ici qu'il y a la vanne, non? Ok, il y a un dossier là.
Quoi d'autre? Ah, la vanne, elle est là. C'est bon, j'ai trouvé la vanne. Hop là. Mais tu vas voir qui va venir m'attaquer. Oh putain. Ouais, je confirme, Billy, c'est bien l'esprit noir là qui nous poursuit. Vite, en cavale. Vite, allez. T'es qu'il a une équenne, pas le temps de niaiser. Voilà. Et vite. Faut sûrement monter par là. Oh, non. Passer par là-bas. Par là. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Il nous poursuit, hein. Il nous poursuit. Allez, cavale, 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 cavale. Oula, il est bien haut cet escalier, il est bien haut. Je commence à m'essouffler là. Cours! Voilà, oui. Oh, j'ai géré. Je sais même pas si c'est par là qu'il fallait passer. Wouh! Putain, j'ai suivi mon instinct là. Allez, il nous poursuit encore. Non? C'est bon? Il s'est calmé. Eh ben. What the fuck? Ah, qu'est-ce qu'on fait là? Nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on repasse par là. Ok. Donc, j'ai activé la valve. J'ai désactivé machin, mes couilles, mes trucs là, je sais pas quoi. Oh! What the fuck? Oh l'enfoiré! Ça s'est fait exprès ça! Vite, 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 vite! Vite, vite! Par où faut-il aller? Par où faut-il aller? Vite, vite, vite! Allons, forêt! Ouh, j'ai réussi juste à temps! Ah, c'était lui, d'accord! Ah putain, l'enfoiré! Merde! Je comprends plus rien là! Fais quelque chose! Défends-toi, bordel! Ah putain, merde. J'ai réussi, je crois, non? J'ai réussi à le tuer, là, non? Ouais, c'est bon, il est mort. Putain. Quelle galère. Ouh. Mais dis-moi comment on fait pour sortir d'ici, maintenant. Sortez par où? Peut-être par là qu'il faut sortir? Ouais, c'est sûrement par là, ouais. Bah, en même temps, il s'est fait éclater, mon personnage, donc c'est normal qu'il ait du mal à avancer. Il galère, c'est normal, il s'est fait couper deux doigts en plus. Il doit souffrir, Fada. Il a une force mentale assez exceptionnelle, quand même, je dois dire. Avec tout ce qu'il a enduré. Mais bon, là, c'est pas encore gagné, mes chers amis.
Ils nous disent de sortir, mais ça se trouve c'est un piège. Allez, tu peux le faire. Allez, vas-y, tu vas sortir. Tu vas le faire. Vas-y, la porte, elle est pas loin. Allez, Trevor, avance. Putain. Oh. Je tiens plus debout. Ouais. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non! Oh les enfoirés! Wacon! Non! C'est à cause du mec dans la chaise roulante, c'est un enculé lui! Il m'a dit qu'il fallait tuer l'autre! Et en fait, c'est moi qui est devenu l'autre maintenant! Et tous les soldats ils se sont fait massacrer parce qu'on a entendu le bruit. Donc du coup voilà mes chers amis, c'est la fin de cette série sur Outlast. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles séries, notamment sur Whistbower et Outlast 2. Mais aussi pour les prochains épisodes sur les autres séries actuelles sur la chaîne. Donc du coup voilà, je vous dis salut à tous mes petits zombies, portez-vous bien. Peace.